Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis un peu perturbé parce que vraiment ma connexion a l'air très peu stable ce soir. Et je sais pas si ça va tenir. Pourtant je suis câblé correctement, comme d'habitude. Et je suis quand même malgré tout assez confus. J'essaie de voir encore si j'essaie de moi-même vivre l'expérience viewer chez moi. Voir si ça bug. Plus que de raison ou pas. J'ai l'impression que ça joue. Bon, j'espère que ça va tenir. Je sais pas pourquoi ma connexion a l'air si instable ce soir. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Mon dieu, j'ai encore cassé quelque chose. Pourquoi j'ai toujours des problèmes avec ma connexion? Non, en vrai, généralement, ça tourne. Mais on va voir. On va voir. Je touche du bois. Mon bureau est en bois, donc ça marche. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que vous êtes chaud. Ce soir on continue. Est-ce qu'on arrive à la première fin du jeu? Je ne sais pas. Peut-être, sûrement en vrai je pense, parce que... Ah je sais pas. On avançait beaucoup sur la map au début, là maintenant on avance un peu moins, on fait plus des petits trajets. Et bien sûr comme d'habitude les personnages dans ce jeu parlent énormément. Voilà, ils ne ferment jamais leur gueule, c'est pour ça bien sûr que vous avez accès à la commande ta gueule ou TG. Hein, qui joue ça, vous la trouvez en dessous du stream hein, si vous en avez besoin, bien sûr. Bon, sans plus tarder, je propose qu'on aille dans le jeu. J'ai un œil concentré sur ma connexion là. Ne fais pas attention à ça, Brian. Ne fais pas attention à ça. Je sais pas si je vais m'appeler moi-même par mon pseudo ou par mon prénom. C'était un peu confusant comme moment. Et ça souligne la question. Je vais m'appeler Connard. Je pense que ça me définit un peu mieux. Ok. Bon. Les amis, sans plus tarder. Je suis sur le menu. Let's go. J'ai tué Vanir. Yes, on vient. Le bon nom de sauvegarde. Donc oui, une petite remise en contexte avant qu'on continue. Là, normalement, on devrait arriver sur la map. Ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? On va reprendre grâce à la fresque ici. On avait repris ici. On a repris où? On a repris là, ouais. On a retrouvé nos amis. On s'est retrouvé. Ça, c'est pratique ça pour raconter l'histoire. On s'est retrouvé dans un camp un peu sectaire qui vénère une sorte d'entité divine qui s'appelle Mike, M-A-I-K. Une partie d'entre nous s'est fait laver le cerveau. Et l'autre pas, du coup, on a dû les aider. On a réussi à s'échapper du camp. Là, il y a eu une grosse révélation après ça. En fait, Vanilla, qui était avec nous depuis le début, qui était un peu notre 6, il y avait seulement 3 d'entre nous qui pouvions la voir. En réalité, elle est morte il y a 2 ans. What? Que se passe-t-il? Pourquoi? Comment? Pourquoi on peut la voir? Et du coup, on a compris aussi que les X dans le ciel, qui sont là depuis le début du jeu, il n'y a que les mêmes 3 personnes qui peuvent les voir. Que nenni. Du coup, on a avancé, il y a eu gros frittage par rapport à où on allait. On a décidé d'aller à Osaka, où on a revu notre ami Pielope. Donc, c'était le robot du tout début. Notre ami, c'est pas du tout notre ami. Qui a essayé de nous tuer en forme de crabe. On a eu notre premier combat de boss depuis le début du jeu. C'est absurde, ce jeu a de multiples facettes. Et on a eu le flashback de ce qui s'est passé avec Vanilla et comment elle est morte et tout ça. Incroyable! Énorme. J'ai dit Dibble au lieu de Dibble, ouais. Énorme. Voilà, on en était plus ou moins là la dernière fois. Du coup, on va continuer. On est dans la région de Nara. On voit les petites biches derrière. C'est tout ce que je sais par rapport à la région de Nara au Japon. C'est qu'il y a des biches. C'est déjà pas mal. Et on va voir où le jeu nous amène aujourd'hui. Et pour rappel, on essaie d'aller à Tokyo. Bien sûr. Et c'est parti, tout le monde va parler pendant 1000 ans. Comment vas-tu, l'ami Trollbisk? J'espère que tu vas bien. Ah oui, et c'est Vanilla qui a organisé le jeu quand même, mais ça fait 2 ans qu'elle est morte, donc c'est bizarre. Ah,
数分程度のことだったし。これからみんなにはデスゲームをしてもらわなきゃいけないの。準備はすでに届いているから。Hola, Axelito. ¿Cómo va?Tu n'as rien raté, hein. J'ai juste raconté ce qui s'était passé. En ce moment, elle est réapparue. Non, c'est un flashback, hein. C'est un flashback, hein. Ah, donc le lavage de cerveau ne serait pas elle, hein. C'est bizarre.Je suis confus. Yes, merci Pai. Ça aurait pu nous le dire, ça aussi. Donc pendant un an, notre cerveau est... Pendant un an, on a subi un lavage de cerveau. En gros, plus ou moins. Qu'est-ce qu'on foutait là-bas? Ok, ok, Vanilla Fantôme. Ok, cool. Merci de nous rappeler que Vanilla était morte, bien sûr. Oh, mais putain, ta gueule. Je crois que c'est la fille d'un scientifique, mais ça, je suis pas sûr. Je rappelle, je suis fille de scientifique, bande de gueux. Je sais pas si j'ai beaucoup de... Si le stream tourne bien, parce que j'ai une connexion qui a l'air très instable aujourd'hui. Qui pète un peu des câbles d'ailleurs. Dites-moi si ça bug beaucoup. Donc, je vois un peu, ok. Mais c'est, ça va, c'est vivable. Je sais pas, pourtant je suis câblé correct et tout, mais si je vois le débit qui oscille comme ça... Oh, le grand Bouddha, énorme. Ah, il est comment le Bouddha? Il est... Énorme. Oh putain, il a écrit en même temps. Wow. Il y a une blague de maman. Il y a une Yo Mama joke. J'étais pas prêt. J'ai tourné la tête deux secondes et j'étais pas prêt. Il y a l'autre frise, mais ça va peut-être revenir. Ok. Attends, j'ai pas lu. Attends, je te montre ce qui s'est passé. C'était terrible. C'est terrible ce qui s'est passé. Mao-chan qui dit il est énorme, presque autant que ma mère. Et Yuki qui a répondu te fous pas de nous, ta mère est vachement plus grosse. Et personne ne commente cette altercation. C'était terrible. En plus de la part de Yuki, quoi. Savage un peu. Tu partages mon sentiment, c'est bien. Oh non, ça va se friter de nouveau pour prendre deux chemins. Allez, on va prier. Parce que nous sommes des personnes croyantes et crédules. Je dis pas ça parce qu'on a 13 ans. Non.
Faites que je sois une fille scientifique. J'ai des doutes par rapport à cette affirmation. Bon. Ça, je peux pas donner mon avis. Ça, ta gueule. Je ne commenterai pas ça. Il y a des personnages qui ont des vœux assez sensés et puis il y a les autres après. Oui, alors je suis d'accord. Yes, grosse ambiance. Bon bah voilà, une bonne chose de faite. Putain, on avance plus. On avance tellement plus. Hop. Bon, encore de l'histoire. C'est parti les amis. Marchez pas sur les rails. Ah non, en fait vous pouvez, c'est bon. Merci. Elle a boum un train, elle a boum, ils sont tous morts. Et c'est vraiment le groupe des mecs à part ça. Est-ce qu'on en parle ou pas? Ça rappelle une soirée, mais qui ne l'a jamais fait? C'était 3h du mat et je marchais sur les rails. Stylé. Moi je longeais les rails parce qu'il y avait encore des trains à l'heure où je marchais au bord des rails. T'as le nerd ou quoi? Il y a quand même quelques drops. Ah oui, non, mais. Tout à fait. Regardez-moi le groupe des filles. Bah, dégueulasse, l'amour. Enfin, c'est terrible, parce que les filles, elles sont ensemble et parlent d'amour. Hein. C'est pas très... 21e siècle, ça. Oh, le triangle amoureux. Dans sa tête, il y a des mouvements, mais complètement pas naturels. Il court tout nu dans les couloirs. Ça sort le dossier. Quoi?
ンさんのこともタッツーさんのこともニョロさんのこともアニキさんのこともレイチョさんのこともジェンヌさんのこともあ、putain, si tu fais tout le monde, je fais des montres. ハチさんのこともあ、putain. それからもちろんチューコさんのこともこともみんなみんな Est-ce que c'est raciste ce que je viens de faire? Elle veut se faire tout le monde. Petit gangbang. Putain, je vois le triangle de BS passer de rouge à vert, de rouge à vert, de rouge à vert. Un plaisir. Je ne juge pas, bien sûr. Si tu juges. Tu juges. Mais c'est une chouin. Au 21e siècle, tout le monde est un peu une chouin, finalement. Oh putain, j'ai lu les traînées. J'ai fait à quoi ? Ah putain, ça fait chier cette connexion, mais je sais pas pourquoi. Ça reste comme ça toute la soirée, je vais peut-être moins tard ce soir. Jenou, j'ai pas trouvé ce qu'elle a dit, mais j'ai lu les traînées, ça m'a fait plaisir. Sacré traînée. Mais putain, mais mec, t'as 13 ans, quoi. T'as 13 ans. Non, sérieux. Qui l'a cru? Alors que Nioro, elle a envie de pécho le gamer. En fait, ça frise de plus en plus. Ah yes. Je vais tester un truc. Je vais arrêter le stream et je vais le relancer. Si ça te va. Bon, t'as pas trop le choix en fait. Hein. Et j'espère que ça se réglera d'ici là. Je vais juste revoir ma connexion. Attends, j'arrive plus à voir ma connexion. Pire, attends 20h30 et relance. Est-ce que c'est utile que j'attende ? Là, c'est tranquille. Ouais, mais c'est par vague. Et je vois que là, c'est redevenu rouge, orange. C'est redevenu vert. Ça a l'air de se stabiliser un petit peu, malgré tout. Oh putain, je dis ça, ça devient rouge, quoi. Ça me pète les couilles. Beaucoup d'images perdues aussi. Puis on discute le temps que ça se calme. Ouais, bah, je crois qu'on n'aura pas trop le choix. Hein. Je me commande quoi à bouffer ? Eh bien, écoute, ça dépend, t'as quoi comme option ? Sinon, je dirais un sanglier à la broche. Espèce de carniste de merde. Sauf mon respect, bien sûr. C'est la première fois que ça me fait ça, je sais pas pourquoi c'est auto-instable. Pizza, tacos ou bouffe jap? Ouh, jap. Ah, asiat. C'est vague, asiat. Ça veut tout et rien dire. Je partirais plutôt sur asiatique, hein, de mon côté, si j'avais le choix.
Ah, tu as raison, je suis autant incarniste de merde que Yuki est une chouin. Mais on l'aime bien, Yuki, malgré tout. C'est vraiment, par contre, c'est vraiment un cliché de personnage, Yuki, hein, bon, comme tous les autres personnages. Enfin, pas tous les autres, mais une grande partie. C'est vraiment la fille naïve. Vas-y, problème de connexion, règle-toi. Ouais, c'est un peu plus stable en général, mais c'est toujours pas fou. C'est vraiment des drops, quoi. Normalement, depuis Twitch, je peux voir, en fait. Depuis mon gestionnaire de stream... Ah, est-ce que je peux plus voir ça? Avant j'avais ça. Il m'a enlevé cette... C'est quoi le portail des créateurs? Ah, c'est juste pour apprendre. Formation live, je peux me former? De la merde. Bref, c'est pas le moment de regarder mes autres sur Twitch. Avant j'avais un... Ah, débit, ouais, je le vois. Ouais, putain, il y a des monstres drop, quoi. Mais de temps en temps. Je sais pas si ça va passer. Bon, je crois que vraiment, au moment où tu m'as dit, ça frise de plus en plus, ça avait l'air d'être vraiment Bagdad. Hein. Là, ça a l'air d'être cessé de calmer. Écoute, on réessaye, on continue. Et puis on va voir. On va voir. De toute façon, le dialogue est pas ultra important. Je sens les triangles amoureux interminables. Attends, du coup, il reste qui Il reste Chuko. C'est dès que tu joues sur le menu, ça va, putain, mais... Relax ma connexion, c'est même pas un jeu en ligne. Oh putain. Je pense que la quoi aime pas l'encodage. Mais ça, il n'y a jamais eu de soucis, quoi, avant. C'est le gamer. Pire, relance le stream. Je crois que je vais faire ça, ouais. Bon, ta gueule, toi, en arrière-plan, là. Je vais essayer de faire ça. Je vous retrouve tout de suite. Ne bougez pas, les amis. Je vais essayer de réparer ce souci de connexion. Mais la raison pour Roger Rose est pas mal. Non.